Donc salut à tous, c'est Ayao sur YouTube. Alors donc ça s'est passé plus vite que prévu. J'ai eu le fameux mutator avec le rebut, hein, et là donc j'ai pris le boomer pour essayer d'avoir le mutator donc tous aux abris, hein. Enfin bon, là je compte pas l'avoir parce qu'on est à la vague 7, hein, donc il n'y a pas assez de vagues, hein. Là je viens tout juste d'avoir le boomer et j'ai vachement de mal à caler ma PS Vita. Alors là, je sais que vous avez pas une trop bonne vue, mais c'est pour vous montrer. En fait, vous visez au loin comme ça, hein, et en fait c'est là que vous avez de grandes chances d'avoir donc ce fameux mutator, parce que je rappelle, vous devez faire des tirs de lance-roquettes qui tuent à plus de 60 mètres, hein. Voilà, autant dire qu'il faut, il faut que ça soit. Voilà, là par exemple, j'en ai eu un. Là, à mon avis, j'ai dû gagner un point en plus à ce niveau-là. Alors, c'est pas facile, hein, honnêtement. Ce qu'il faut que je voie, c'est que est-ce qu'il est possible de le faire en campagne, hein, pour que ça soit plus simple, hein. Parce que là, comme ça me paraît assez difficile. Alors là, j'arrive à shooter, mais je ne sais pas si j'arrive à avoir les points nécessaires. En tout cas, j'ai eu pour le rebut. Alors, c'était vachement rapide, finalement. Parce que quand j'ai fait la vidéo où je vous ai montré le rebut, j'avais 89 humains tués. Et à la fin de la partie, j'en avais 129. Donc, ouais, 129. Donc, c'est un truc de fou. Ça montre vraiment que c'était pas si long que ça, hein, et que bon, ben en fait, voilà, fallait juste doser comme pas possible. Et là, ouais, mais là en fait, là je les touche, mais je les mets à terre, je les tue pas, hein. Moi je veux les tuer, voilà, là je les tue. Donc voilà, tous aux abris à tuer un ennemi à plus de 60 mètres. Donc là je l'ai eu, là je l'ai eu mon truc. Mais vous voyez, c'est vraiment pas évident. Là, par contre, essayer d'avoir ce mutator-là, faut le faire 100 fois, hein. Faut tuer 100 ennemis à plus de 60 mètres, comme je viens de le faire à l'instant. Donc vous imaginez un petit peu comment ça doit être très long, hein, voilà. Donc pour ça, déjà, il faut que je voie, et quand on l'utilise en campagne, est-ce que ça compte? Et si oui, bah, trouver un chapitre où c'est relativement facile de le faire, hein. Donc voilà. Donc là, je touche des fortifications, hein, mais moi, bien évidemment, ce que je veux, c'est tuer, hein. Donc voilà, faut balancer les grenades au pif. Après, bon, d'où l'intérêt de marquer les ennemis, hein, d'où l'intérêt de marquer les ennemis. Souvent, tout le temps, je le dis dans mes vidéos, quand vous jouez à Gears, marquez systématiquement les ennemis. Il faut systématiquement les marquer pour que vos alliés sachent où est-ce qu'ils sont, hein. Donc là, il y a des ennemis qui sont tout près, mais je m'en fous, hein. Là, je veux vraiment viser des ennemis qui sont loin. Alors, je touche des fortifications, certes, hein, donc ce n'est pas en vain, hein, ce que je fais, mais voilà, hein, là, le but, c'est vraiment d'avoir donc ce mutator-là, hein, et pour ça, il faut vraiment que je balance des grenades vraiment très très loin, hein, en espérant tuer des humains. C'est même pas les toucher, il faut les tuer, hein. Lui, par exemple, voilà, bon, je l'ai même pas tué, mais c'est voilà, c'est ça qui paraît un peu difficile. À plus de 60 mètres, voilà, c'est faut vraiment avoir une certaine distance et les tuer, quoi, voilà. Après, je sais qu'il y a une map en bestial, je sais plus trop c'était laquelle, je sais plus trop c'était quelle map, où c'était relativement facile, où les humains étaient vachement regroupés, hein, voilà. Allez, lui là-bas, il est pour moi. Ah non, j'ai touché la tourelle, mais pas lui. Je sais plus c'était quelle map, hein, qui était assez facile, où on pouvait tuer les humains au loin avec le boomer, et ils étaient bien regroupés, hein. Il y avait une map bien précise, hein, j'ai oublié c'était laquelle, donc il faudrait que je refasse un tour complet pour voir c'est quelle map, et encore faut-il que je tombe dessus online, hein, ou bien avec mon groupe d'amis. Bon, ceci dit étant, hein, là j'ai quand même ce soir, rien que pour cette soirée, j'ai eu deux mutators que j'ai mis un petit peu de temps à débloquer, donc ça va. Déjà, je suis content, hein, voilà, je vais pas. Là, je vais ouvrir la voie à mon allié, hein, voilà.
Je vais pas trop gâcher mes balles de boomer. Donc là, ils sont à l'intérieur. J'ai pas suivi le spawn là. S'ils sont à l'intérieur, j'ai l'air un petit peu con. Je vais en fait passer par ici. Mais qu'est-ce que c'est de la bombe, hein. Franchement, ce mode-là, il est trop bien. Il est trop bien fait, quoi. Voilà, incarner. Là, voilà, là, j'en ai eu un. Incarner les locustes pour tuer les humains. Et en plus, la manière dont c'est fait, la manière dont on peut s'entraider entre ceux qui jouent les Cantus et ceux qui jouent les tout ce qui est locustes un peu rentre dedans, hein, on va dire. Hein. Hein, voilà, hop. Non, là j'ai eu personne. Donc faut être très patient pour le rechargement éclair. Voilà, là j'ai eu une fortification, hein, mais bien évidemment, moi ce qui m'intéressait d'avoir du sang. Hein. Ouais, bon, là je touche que des fortifications. Après, bon, ça me fait gagner de l'argent, donc tout n'est pas perdu, mais voilà quoi, c'est un peu en vain. Hop! Oh là 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 là. Et là, vous voyez, hein, la grosse, 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 grosse gaffe, hein, ce que je craignais à chaque vidéo, hein, c'est de faire tomber la PS Vita. Et c'est arrivé, hein, je l'ai fait tomber, hein, assez, assez violemment. Bon, voilà, vous ne moquez pas trop de moi dans les commentaires, hein, voilà. Parce que c'était sûr que ça devait arriver, hein. C'était sûr que ça devait arriver. Hein, voilà, bon, en même temps, je la cale pas très bien, mais c'est le maximum que je puisse faire. Hein. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Hein. Donc c'est ça, hein. C'est ça de pas avoir de carte d'acquisition. Hein. Voilà. En plus, je l'ai fait tomber comme un sac. Parce qu'en fait, je l'avais bien calé la console. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai tiré avec mon écouteur. Hein, j'ai tiré comme si de rien n'était. Hein, alors que si, il y avait quand même quelque chose au bout qui coûte 300 euros. Hein, donc voilà, hein, c'est n'importe quoi. Hein, donc voilà, allez, là, j'ai touché le. Ah mince, là, il a été coupé par le plafond, hein, c'est dur, hein. Vraiment c'est dur de tuer quelqu'un en lance-roquette à plus de 60 mètres. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Si c'est juste tuer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais à plus de 60 mètres, c'est assez fou. Hein. Voilà, bon là j'en ai eu un. Voilà, là j'en ai eu un. Donc là, hein, vous voyez un petit peu le bordel. Là j'ai anticipé leur course. Oui, j'en ai eu un. J'en ai eu un encore. Voilà, donc c'est bien. Allez, lui aussi, je vais l'avoir. Ah ouais, là j'ai touché la tourelle et non le l'humain. Enfin si, je l'ai touché, mais je l'ai pas tué. Là, je l'ai mis à terre. Vous voyez, là je l'ai mis à terre. C'est cruel quoi. Je veux dire, là je les ai mes 60 mètres, mais là il est juste à terre quoi. Il est pas dead. Et là, la Anya là-bas là. Ah non, je crois même pas l'avoir touché, parce qu'elle a bougé après. Ouais, j'ai eu Anya. Ouais, superbe. Oh là là. Alors là, quand même, c'était un sacré lancer, là, ce que je viens de faire. C'était un 3 points. Ensuite, là, ça se passe où? Non, là, j'ai un petit peu trop dévié sur la fin. Ah non, là je l'ai loupé. Moi je sais pas si vous le voyez clairement l'ennemi au loin. Hein. Moi je le vois parce que je suis juste en face de l'écran. Ils sont en train de viser par là. Allez, je l'ai. Non, je l'ai pas eu. Mais vous voyez comment il faut batailler. Hein, pour avoir ces mutators-là. Donc non seulement ça augmente la durée de vie, mais en plus de ça donne de. Il y a constamment de l'intérêt dans le jeu, quoi. Il y a constamment, tout le temps, il y a de l'intérêt. Quand tu allumes ta console, que tu fasses du bestial, de la horde, du MME, que tu joues contre l'IA, hein. Allez, là, une pure grenade au pif. Voilà, mais j'ai eu call. J'ai eu call, mais je l'ai mis à terre, quoi. Voilà, c'est cruel. Parce qu'en fait, hein, les Gears, hein, donc je rappelle, dans ce mode-là, en fait, quand vous affrontez les Gears, ah, c'est bon, là, j'en ai eu un. J'en ai eu un super. Allez, là, comme ça. Vous voyez, quand ils sont regroupés comme ça, ça le fait, quoi. Ça le fait. Voilà. Hein. Allez, hop, un bon petit 3 points. Non, pas assez haut. Pas assez haut. Voilà, là, il est bien haut. Donc, bien loin.
J'ai touché le silverback. Qu'est-ce qu'on a? Non, pas assez haut là. J'ai pas visé assez haut. Ah si, 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 j'en ai eu un. J'en ai eu un. J'ai eu Jace. Donc voilà, il faut faire 100 fois ça, hein, quoi. Je veux dire, hein, vous imaginez, hein, c'est vraiment assez... c'est assez galère quand même. Faut en tuer 100 comme ça. Hein. Moi, avant de commencer, j'en avais 5. Hein. Donc là, en tout et pour tout, j'ai dû en gratter combien? 5. Bon, là, j'ai eu Dom, je l'ai touché, mais il est au sol. Voilà, bon, j'ai eu une assistance, mais moi, je veux les tuer. Vous voyez comment c'est traître. Et là, il y a Jace, là. Ah non, je l'ai loupé, dommage. Dommage. Hop, on recharge éclair. Laisse-le-moi, lui. Celui qui est au sol. Et je l'ai pas eu, putain. Ah, c'était une chance d'en avoir un, là. Il était au sol, là, il était à moi. Dommage. Dommage, dommage, hein. Donc, en tout cas, quand j'aurai ce mutator-là, franchement, ce sera trop bien. Parce que déjà, j'aurai tous les mutators. Et là, je pourrai un peu plus me concentrer sur les médailles Onyx. Hein, allez. Là, j'ai touché quelque chose. Bon, en plus, là, c'est les gardes Onyx, là. J'en ai mis un à terre. Faut que j'en lance exactement là où je l'ai lancé. Ah mince, j'ai foiré mon rechargement. Faut pas le rater, là. Alors, lui, est-ce que ça va faire 60 mètres? Non, ça fait pas 60 mètres. Bon, là, je vais avoir une petite médaille d'or, hein, je crois, d'or ou d'argent. Voilà, attends, là, je les mets à terre, mais moi, je veux les shooter. En plus, là, il met du temps à recharger. Ah, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, j'ai eu Prescott. Bon, là, j'ai une médaille d'or, là. Complètement une médaille d'or que j'ai eue. Donc, je les mets à terre. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas impossible de les viser, mais c'est les tuer, quoi. C'est ça qui est dur. C'est les tuer. Là, il y en a un qui est juste à côté, en face, là, mais il m'intéresse pas. Voilà, je le fais, allez, boum, pour aider mon pote, mais... Voilà, quoi. Vous voyez, ça les met à terre, quoi. Et en plus, le boomer, tu l'as vers la fin, tu vois. C'est pas comme si tu l'avais dès la... Ah, c'est bon, j'en ai eu un. Superbe, ça, superbe, j'en ai eu un. De toute façon, dès qu'il y en a un, c'est forcément bon, hein. Donc, faut faire ça plusieurs fois, quoi, hein. Voilà. Hein. Voilà, superbe, j'en ai eu encore. Superbe, de la bombe. Voilà, j'en ai eu deux même, j'en ai eu deux. Ah, superbe. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, bon, ben, j'y arrive, hein. Donc faut batailler, hein. Maintenant, faut le faire tout le temps. Bon, en même temps, là, je serai un petit peu... Ah, dommage, il l'a tué, il aurait dû me le laisser. Là, je suis un peu moins bridé parce que j'utilisais le rebut au début. J'étais condamné à utiliser que les rebuts. Là, maintenant, je serai un peu moins contraint, je serai un peu plus libre, donc j'aurai plus de points. Donc, je vais débloquer le boomer plus vite, quoi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer en quoi consiste ce mutator que j'ai débloqué, hein, donc à savoir le mutator. Corps à corps unstative, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc là, il va apparaître. On va voir combien. Et tous aux abris, j'en ai eu 9. Hein. J'en ai complètement eu 9, hein, ça quand même. Donc j'ai eu impitoyable et. Ah oui, c'est vrai, les mutators, ils apparaissent pas ici. Les mutators, ils apparaissent à part. Hein. Donc avant que la vidéo elle coupe, je vais vous montrer donc le fameux mutator. Et après, je vais faire une partie pour vous montrer en quoi consiste ce mutator. Donc voilà, mutator, hein, donc c'était, voilà, instagib corps à corps, hein. Donc voilà, explosion géante, vous voyez, j'en ai 14 sur 100, j'en ai 14 sur 100, hein. Et Pignata, en fait, faut avoir 2 500 dollars, hein. Là, je dois être à 1 700 et quelques, en bestial, hein, toujours en bestial. Et donc là, on va voir la médaille que j'ai débloquée. Donc c'est ça, impitoyable. Tu es 1100 humains en bestial. Voilà. Bon, donc voilà. Allez, donc je coupe la vidéo et je reprends pour vous montrer comment fonctionne ce mutator. A tout de suite.